Le vice-président de la République du Salvador, Félix Ulloa, est arrivé hier pour une visite au Maroc. Il aura une série d'entretiens avec des responsables marocains. Félix Ulloa s'est entretenu ce lundi avec le ministre des Affaires étrangères, Nasser Bourita, rappelant que le Salvador a ouvert en octobre dernier une ambassade au Maroc, la première du genre en Afrique. C'était lors d'une cérémonie présidée par la ministre salvadorienne des Affaires étrangères, Alexandra Il Tinoco.